Suite à l'achèvement du creusement du tunnel, le tunnelier Catherine est démonté et évacué. Ces opérations sont réalisées depuis le puits Grosso, situé, pour rappel, à l'extrémité ouest de la section souterraine. Ces opérations de manutention sont réalisées à l'aide du portique mobile, installé provisoirement sur ce site pour le démontage de la machine. Le démontage et l'évacuation de l'ensemble des pièces du tunnelier se sont déroulés sur plusieurs semaines. Vous pouvez découvrir ici une partie de la machine auparavant située à l'arrière du bouclier. Le démontage des installations utilisées pour le traitement des bouts de forage du tunnelier a débuté par la dépose du bardage et des conduites extérieures. Profitons de cette phase de repli pour découvrir au grand jour ces différents équipements qui ont été utilisés tout au long du creusement du tunnel dans le sous-sol niçois. Vous découvrez ici les dispositifs de récupération des sables pour permettre dans un second temps leur évacuation avec le reste des déblais. Puis, les quatre filtres presse utilisés pour détruire la boue bentonitique hors d'usage à l'issue de plusieurs cycles d'utilisation. Ces équipements pressent la boue pour en évacuer l'eau et constituer des galettes de matériaux solides compactés. En parallèle des opérations concernant les installations utilisées pour le traitement des boues, le démontage du hangar de stockage temporaire des déblais se poursuit afin de libérer la zone dans son ensemble. La grande majorité des équipements et matériaux de ces installations sont évacués par convoi routier chez le fabricant implanté en Auvergne, en vue d'une réutilisation sur de futurs chantiers. C'est aussi cela, le développement durable.